Allez, ce petit message pour toi, pour ce week-end, toi qui vois cette vidéo. Alors clairement, ce qu'on te dit, bah écoute, ce qui résonne avec moi, c'est que ces 3 derniers mois ont été assez difficiles. Tu as été blessé, trahi, tu n'as pas été respecté. On sent que la personne qui vivait auprès de toi, tu m'excuseras du terme, mais t'a jeté comme une malpropre, ne t'a pas respecté. Et on sent que émotionnellement, en ce moment, c'est dur. Alors moi, le message que j'ai pour ce week-end pour toi, bon, pour le coup, je l'ai, ça me vient comme ça, c'est bah, il est temps pour toi de prendre l'air, de sortir, de bouger. On te dit clairement que, notamment, tu vois, il y a cet homme qui commence à te tourner autour et on te dit que dans la période que tu traverses, bah, c'est comme un cadeau qui arrive. Et que finalement, si tu pouvais, alors il faut que ça résonne avec toi, mais si tu avais envie de te laisser aller, aller boire un verre, aller au resto, profiter de la vie présente, bah écoute, accepte. Accepte cette invitation si cette personne te plaît, car il est porté par de belles intentions. On voit que tu es encore marqué hein, par ce passé difficile, ce passé récent, ces épreuves récentes qui sont venues, et que effectivement, à titre personnel, tu as beaucoup de choses à régler à l'heure actuelle. Mais voilà, moi je te dis, aujourd'hui, cette rencontre, ce petit flirt, cette relation, qu'elle soit légère ou moins, bah, c'est un cadeau de la vie et il est temps pour toi justement de tourner la page avec ton passé amoureux. En fait, tu es vraiment reparti sur une nouvelle période personnelle. On voit que tu as eu des soucis de santé qui sont venus en plus ponctuer cette fin de relation. Peut-être que professionnellement, aujourd'hui, tu étais dans ton ancien taf en burn-out, tu te sentais plus aligné et que tu as envie de mettre fin. Bien, ce qu'on te dit, c'est que dans les 3 prochains mois, clairement, tu vas pouvoir engager ce vrai tournant professionnel. Et clairement, si toi, tu vois cette vidéo aujourd'hui et que ça résonne avec toi, je peux t'assurer qu'au niveau professionnel, il y a un vrai tournant qui est en train de s'opérer. Il y a une femme hein, qui sera présente autour de toi, qui va t'accompagner sur ce changement, que ce soit une amie qui va t'embaucher ou des connaissances qui vont te permettre d'évoluer là où tu te trouves à l'heure actuelle. Et on sent, tu vois, qu'il y a un vrai développement pour toi qui va se changer. Donc en fait, aujourd'hui, ben, au-delà des épreuves que tu as traversées, tu as surtout franchi une étape dans ta vie. Tu as enfin clôturé les vieux schéma du passé et aujourd'hui tu peux te tourner fièrement vers l'avenir. On voit en plus clairement que tu vois, il y a le changement, il y a cette opportunité de déménagement qui arrive à toi. Donc tu es en train de reconstruire ta vie. On voit aussi les opportunités de sortie, de week-end qui vont s'empiler. Pour moi, voilà, c'est pour toi le message aujourd'hui, c'est reste confiant. Tu as enfin l'opportunité de mettre en œuvre ce que tu as toujours voulu mettre en œuvre. Tu n'es pas que cette femme qui s'occupait des enfants, qui revenait du travail pour s'occuper de son foyer. Et aujourd'hui, en fait, tu vas retrouver vraiment le rôle que tu avais besoin, tout simplement, et que les opportunités qui sont là, oups là, s'ouvrent à toi. Donc, moi, je te dis, bah, profite simplement de ces instants présents. Ne va pas mettre de la frustration sur ce que tu ressens par manque de confiance en soi. Tu ne seras plus jamais la même personne après cette période difficile. Saisis ces opportunités qui se présentent, sors avec tes amis, bouge. Il est temps vraiment de repartir sur cette vague nouvelle. En tout cas, moi, c'est un super message pour toi ce week-end. Alors, profite de l'instant présent. Le passé est derrière toi. Le présent, c'est le moment où tu dois vivre et le futur n'est pas encore là. Allez, je te souhaite une belle fin de journée.